je viens d'une nation atikamekw que il y a plus de 2500 populations, plus de jeunes que de vieux dans ma communauté, que la plupart parlent la langue atikamekw et le français aussi. Je suis enseignante atikamekw au secondaire. Puis nous travaillons avec les thèmes, les saisons atikamekw. On développe des activités culturelles. On utilise beaucoup l'oral dans nos enseignements et aussi l'écrit. La cueillette des pluies vient de se finir. Là. Puis, c'est ça, ils sont en train de faire la cuisine, les autres même. Là, c'est les filles qui font la cuisine pour les gars. Les prochaines fois, ça va être les gars qui vont faire la cuisine pour les filles. Et puis, après ça, moi, j'ai toute une liste de mots atikamekw qui consiste à ça, là. Tous les mots qu'on peut trouver. C'est les crêpes atikamekw. Ils vont apprendre. Après ça, il y a une recette qui va avec ça. Ils vont pouvoir continuer à pratiquer à la maison. Donc, tu utilises le cours de cuisine pour leur apprendre des mots atikamekw. Des mots atikamekw, oui. C'est ça. Comment on dit crêpe en atikamekw? Tes crêpes. Voilà, on est en train de faire la cuisine pour, en apprenant en même temps des choses que nos ancêtres faisaient. Ils cuisinaient ça avant, mais sans poêle en plus, sans huile. On est en train de cuisiner des crêpes au bleuet. En atikamekw, on dit ça des minichte crêpes. C'est important parce que si on perd cette habitude, c'est-à-dire qu'on n'aura plus notre cœur d'atikamekw, on se souviendra pas de rien que nos ancêtres faisaient. Bon, il faut partager ça avec nos enfants et nos ancêtres faisaient ça aussi. Moi, c'est Madame Hélène Petitcouy. Je demeure à Obidjouan. Le chaudier qui est ici, le chaudier à la grand-mère à mon papa, celle-là. Ils ont tout le temps mis les bleuets ici, puis fait cuire au feu. Puis là, on mettait 2-3 fois plein jusqu'à temps qu'ils pèsent, là. Puis c'était le chaudier à mon arrière-grand-mère. La mère à mon papa. Puis après ça, c'était ma grand-mère, la mère à mon père qui l'a utilisé encore. Après ça, sa belle-maman à mon père, ma grand-mère Marguerite. Il a tout le temps gardé ça. Il a tout le temps servi avec quand il faisait des bleuets, la confiture. Puis après ça, quand ma grand-mère est tombée malade, ma grand-mère Marguerite a dit à sa fille, à ma maman, de venir chercher, récupérer la chaudière à sa belle-mère, arrière-grand-mère. Puis là, ils ont tout le temps utilisé avec ça, surtout dans les dernières années. Ils ont tout le temps fait ramasser des bleuets juste pour faire la confiture là-dessus. Puis aujourd'hui, c'est moi qui l'ai, la chaudière. Je le garde, ce que ma mère m'a laissé. Parce que ma mère m'avait dit de le garder longtemps. Puis là, je le garde, ça fait 20 ans que je l'ai. Parce que ça fait longtemps que ma mère nous a quittés. Puis après ça, mec, un jour je vais quitter, ça va être ma fille qui va le garder.
ma fille, il va utiliser avec ça. Parce que je lui ai appris comment faire cuire des bleuets ici. Parce que quand on met rempli de des bleuets, ça rentre jusqu'à ici. On cuit toute la journée, on met au four toute la journée, il fallait qu'on brosse, jusqu'à temps que soit épais, là, on pèse. On fait pas quand il y a comme de l'eau, là, mais on épaissit jusqu'à ce qu'il soit épaissir. Toute la journée, il faisait qu'on s'assied dehors. On brosse. C'est plus à l'automne qu'on fait la confiture. Parce que c'est plus à l'automne qu'on ramasse les bleuets, là, que les bleuets sauvages. Je vais bien la manger sans couche.